Regarde. Donc, tu vas obtenir un code par SMS, il va te parvenir. C'est le 74 29. Je m'appelle Marlutje Jackers, 39 ans, bourgmestre de la commune de Herstap, la commune de Belgique la plus petite. 72 habitants seulement, à peine 5 rues et une trentaine de maisons. Dès que je suis devenue bourgmestre, j'ai créé pour le village un groupe WhatsApp. Herstap est très petite, on la compare parfois à Bokrek, mais ça n'a rien à voir avec Bokrek. On a ici différentes entreprises qui accomplissent de grandes choses et qui sont confrontées, elles aussi, à la cybercriminalité. Ça va? Dis-moi, tu te posais des questions à propos de l'authentification à deux facteurs. Ouais. Ça te dit qu'on l'active sur ton smartphone? Ouais, très bien. Paramètres, ton compte. Et là, tu coches le deuxième, authentification à deux facteurs. Avant, ce qu'on redoutait, c'était les vols et donc on protégeait nos maisons. Et maintenant, c'est les dangers d'Internet et de faire des erreurs en ligne. Oui, on doit tous apprendre à, disons, nous y retrouver et nous y adapter. J'espère que notre e-village Herstap servira d'exemple à la Belgique entière et finira par inciter, en fin de compte, tout le monde à adopter l'authentification à deux facteurs.